Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler ensemble ce poncho que j'ai appelé Cali. Donc c'est un poncho qui est fait essentiellement en coton, donc c'est un fil 100% coton que j'ai choisi. Donc il sera vraiment parfait pour l'été, pour les matins où il fait un peu frais, le soir ou même pour mettre, je sais pas moi, à la plage par-dessus un maillot. Donc c'est un poncho qui est assez court. On a le col qui est ici et qui va se porter voilà de cette manière-là. On termine par ce motif. Et finalement sur les bras et le long des bras, sur les épaules. Donc j'ai travaillé en augmentation. Donc ça fait comme un triangle hein, finalement. Et c'est ce qui va apporter ce joli tombé. Une fois que vous l'aurez sur les épaules, ça va flotter comme ça sur vos bras. Voilà. Donc pour ce poncho, j'ai utilisé un cake de la marque que j'ai commandé chez Obi. Donc c'est Cotton Kings. Ce sont des gros, comment dire, des gros cakes. Je ne sais pas si vous avez vu la photo, j'avais mis sur Facebook ma dernière commande de Obi. Donc c'est un Cotton Kings Twirls. Voilà. 100% coton. Donc c'est une grosse bobine de 200 grammes pour environ 800 mètres. Quoi vous dire d'autre si vous voulez les références? 10 cm sur 10 cm, c'est égal à 25 rangs, 25 mailles pardon, sur 34 rangs. On vous conseille de travailler avec un crochet 3,5-4. Donc j'ai utilisé pour ma part un crochet numéro 4. Et du coup, le coloris, c'est 44 si jamais vous voulez choisir le même que le mien. Donc celui-ci, il part d'un beige crème, orange, on glisse vers le violet. Et du coup, vers le bleu, vers un bleu vraiment soutenu, moi que je trouve magnifique, hein, le bleu est ma couleur préférée. Donc j'ai choisi aussi de travailler dans ce sens-là. J'aurais pu commencer par le bleu et faire à l'inverse. Hein, ça vraiment, c'est une question de goût. Donc pour travailler ce projet, ça va convenir pour une taille, honnêtement, c'est une taille unique jusqu'au 50-52. Si vous faites plus d'un 50-52, il vaudra mieux prendre une pelote supplémentaire parce que sinon finalement il risque de ne pas être assez long pour couvrir vraiment votre poitrine. Donc voilà, ça c'est la petite indication. Donc j'ai utilisé en plus de mon fil bien sûr un crochet numéro 4. Un petit marqueur, ça c'est optionnel, mais je vais vous montrer. C'est simplement pour prendre un point de repère et ne pas se tromper. Une petite aiguille vraiment pour rentrer les fils, donc au début et à la fin. Et un petit ciseau également pour couper votre fil. Voilà, je vous propose de commencer. Alors, pour commencer ce poncho, vous allez monter avec votre fil de coton et votre crochet numéro 4, 120 mailles. Donc moi je vais faire un petit exemple et une miniature avec vous. Donc je vais monter, on va dire, une vingtaine de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc les 120 mailles doivent permettre de faire le tour de votre tête. Donc vous devez vraiment passer sur cette chaînette, doit vous permettre voilà, de passer la tête dans votre poncho. C'est un projet qui est quand même assez simple. Donc vous pouvez augmenter ce nombre de mailles ou le diminuer si vous le préférez. Il faut rester simplement sur un nombre de mailles multiple de 3, puisque du coup ce point un petit peu en V est multiple de 3. Voilà. Donc une fois que vous avez vos 120 mailles, on va bien plaquer la chaînette bien à plat dans ses doigts tout le long et fermer en faisant une maille coulée dans la première chaînette. Donc faites attention, voilà, de ne pas tourner, enfin comment dire, faire tourner votre chaînette et d'être bien à plat. Voilà. Ensuite, on va commencer. Donc, ce poncho est travaillé principalement avec ce point qui forme une petite V. Voilà, ce motif qui sera toujours constitué d'une bride, une maille en l'air et une bride à chaque fois dans la même maille. Donc on va principalement travailler avec ce point-là sur toute la longueur et ensuite faire quelques rangs supplémentaires avec un petit motif pour faire la finition.
Voilà. On va augmenter, faire des augmentations en fait sur les deux côtés ici qui correspondront aux épaules. Donc on aura une augmentation ici sur chacun des rangs pour garder la proportion et que le travail s'écarte bien et symétriquement finalement de l'autre côté. Voilà. Alors on va commencer justement par cette augmentation. Donc nous allons commencer par une, deux et trois mailles en l'air. Ces trois mailles en l'air de départ vont toujours compter comme une bride. Nous allons faire une maille supplémentaire en l'air puisque je commence tout de suite le motif. Donc j'en ai quatre en tout. Et dans cette toute première maille, là où on a vraiment fait la maille coulée, vous allez venir faire une bride pour former ce premier motif. Une bride ou trois mailles en l'air, une maille en l'air au milieu et une autre bride. Nous allons travailler tout de suite et encore, donc tout de suite l'augmentation et du coup encore dans cette même maille, on reproduit un motif. Donc du coup, une bride, une maille en l'air et une bride toujours dans cette même maille. Et un troisième motif qui marquera la fin de notre augmentation, donc toujours dans cette même maille, une bride, une maille en l'air et une bride. Et voici. Donc notre augmentation de ce côté et de l'autre côté sera toujours composée de trois motifs dans une même maille. Ensuite, vous allez sauter deux mailles, une et deux. Et dans la troisième, on va reproduire un motif. Donc je prépare pour faire une bride, je prépare mon jeté et je vais faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Et voici ce que vous obtenez. Je saute encore deux mailles, une et deux. Et dans la troisième, je reproduis un motif, une bride, une maille en l'air, une bride. On continue ainsi, je saute deux mailles, une bride, une maille en l'air et une bride. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à atteindre la 60e maille de votre chaînette. Donc c'est là où je vous dis vous pouvez compter et utiliser le petit marqueur. Ou sinon il vous faut compter au fur et à mesure pour atteindre en fait vraiment le milieu de votre chaînette de départ. Et pouvoir placer l'augmentation vraiment de chaque côté du travail hein, finalement. Ici et ici. Donc moi j'y suis déjà puisque j'ai fait une petite chaînette. Donc pour vous il faudra dans la 60e maille en l'air de votre chaînette de départ faire une augmentation. Donc cette augmentation elle se fait toujours de la même manière. Donc vous sautez deux mailles et puis dans la troisième, donc moi je vais le faire ici parce que du coup j'ai pas choisi le bon nombre de mailles, on va refaire trois motif dans la même maille, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Premier motif, le second, une bride, une maille en l'air et une bride. Et le troisième, une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà, ça va créer, je vais vous montrer peut-être là, ce sera plus, voilà. Ça va nous créer ce rang d'augmentation, voilà, tout le long et nous permettre de former une pointe. Une fois que vous avez terminé cette augmentation, vous reprenez de la même manière de l'autre côté du poncho finalement et vous reprenez, je saute deux mailles, je passe dans la troisième et je fais un motif, une bride, une maille en l'air et une bride. Je saute encore deux mailles, une bride, une maille en l'air et une bride. Vous allez vraiment presque essentiellement faire ce motif hein, tout le long du poncho. Voilà. Une fois que vous serez arrivé à la fin de votre rang, on va simplement faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air, 1, 2, 3, sur ces petites mailles en l'air qui comptaient comme une bride au départ. Je fais une maille coulée pour terminer mon rang. Voilà ce que vous obtenez.
Pour le rang 2, donc vous allez commencer chacun des rangs par faire une maille coulée pour vous placer dans l'espace. À partir de là, on va travailler nos motifs toujours les mêmes, mais à l'intérieur en fait de l'espace créé. Donc pour débuter ce rang, on va passer vraiment ici dans le premier motif et vous faites une maille coulée. Voilà. Et ensuite, on va reprendre notre travail. Donc, 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride, une maille en l'air centrale pour le motif et à l'intérieur de cet espace, une bride pour placer un motif. Ensuite, on va créer de nouveau l'augmentation puisqu'on est sur l'angle. Donc nous avions fait 3 motifs, 1, 2 et 3, là je pense que vous les voyez bien. Donc en fait, dans le premier, on va toujours ajouter un motif tout simple. Dans le motif central, on va refaire notre augmentation, c'est-à-dire un groupe de 3 motifs. Et dans le troisième, un motif tout simplement. Donc comme on va en faire 3 à chaque fois au bout, on va rajouter un motif de chaque côté sur chaque rang finalement. Donc, je passe dans le motif du centre et je fais mes 3 motifs pour l'augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. De nouveau, une bride, une maille en l'air et une bride. Et le troisième, une bride, une maille en l'air et une bride. Et voici ce que vous obtenez. Mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux si je ne mets pas mes doigts. Voilà. Ensuite, on reprend. Dans le motif suivant, vous faites un motif, toujours la même chose, une bride, une maille en l'air et une bride. Vous continuez ainsi un motif dans chaque motif du rang précédent. Donc je vais faire quand même ce deuxième rang entièrement avec vous. Et en tout cas, on va déjà la continuer jusqu'à atteindre le prochain angle ou la prochaine augmentation de l'autre côté du poncho. Donc, on continue de placer nos motifs. Voilà. Donc, une fois que vous arrivez de nouveau à cette augmentation, donc à l'intérieur du premier motif, on en place un. Comme je vous disais, toujours constitué hein, des mêmes points. Voilà. Arrivé sur ce motif central qui fait vraiment l'angle, on va refaire une augmentation, donc 3 motifs dans ce même espace. 2. Oh, attendez, là je me suis trompée, j'ai fait une maille en l'air entre les motifs. Donc les motifs, vraiment là, vous les plaquez les uns aux autres, hein, c'est-à-dire que vous faites vraiment une bride, une maille en l'air, une bride, et tout de suite une bride, hein, on place vraiment 3 motifs. Sans faire des mailles en l'air entre chacun d'entre eux. Une bride, une maille en l'air et une bride. Et voici notre deuxième rang d'augmentation créé. Un motif ici, un motif ici au milieu et un ici. Et vous allez continuer ainsi. Vous continuez donc à placer vos motifs dans les motifs du rang précédent sur toute la longueur qui correspond à votre dos du poncho. Donc je dis que ça correspond au dos simplement parce que même si on fait attention, il y aura quand même une toute petite démarcation au début de chaque rang. Donc il vaudra mieux le placer sur le dos. Attendez que je vous montre ça. Alors ça se voit pas énormément, mais bon, quand on a l'œil ou quand on a l'habitude, on le voit, vous voyez. Ça fait quand même une petite démarcation. Voilà, ça, ce sont mes débuts de rang. Donc ça, éventuellement, on le placera plus sur le dos. Et voici, arrivé à la fin du rang, on termine de la même manière. Une maille coulée dans la troisième maille en l'air de votre chaînette de départ. Une maille coulée pour vous placer à l'intérieur du motif et on repart 3 mailles en l'air pour la première bride, une maille en l'air supplémentaire et vous repartez en faisant ce premier motif. Et voici. Donc vous allez continuer un certain nombre de rangs pour
pouvoir ensuite faire le motif. Alors là, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que le fil, vraiment, à lui tout seul, fait un dégradé de couleur magnifique. Moi, vraiment, je l'adore, hein, ce coton. Donc, c'est vraiment, l'effet visuel se fait tout seul. Donc, j'ai monté pour ma part, en tout, je crois, 33 rangs. Alors, attendez, je vais vous le vérifier. Oui, donc, j'ai fait 33 rangs avec ce motif-là, en respectant exactement les mêmes consignes que je vous ai données là. Donc je vous propose de continuer sur la longueur de votre travail. N'oubliez pas à chaque fois de placer les augmentations en pointe pour avoir la pointe. Et ensuite, il nous restera simplement à faire cette petite bande de finition pour terminer le poncho. Alors pour ce motif, on va le travailler en 3 rangs. Le premier, ce sera un rang de bride. Je vais vous montrer ça. Ensuite, on va faire ces longues, comment dire, ces triples brides, ces longues brides, et on va terminer par un rang de brides également. Voilà. J'avais envie de quelque chose d'assez ajouré pour terminer et pour, comment dire, j'ai envie de dire sublimer un petit peu le poncho, parce que c'est vrai que le point ici est assez simple, donc j'avais envie de, voilà, d'amener quelque chose d'un peu différent pour la fin. Alors, une fois que vous aurez fini le rang 33, du coup sur le rang 34, on va commencer à travailler en bride. Donc je me suis placée exactement de la même manière, hein, toujours dans le motif, j'ai fait une maille coulée pour être à l'intérieur du motif. 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et à l'intérieur de ce motif, je vais ajouter 2 autres brides. Donc là, on va remplacer chacun de nos motifs par un groupe de 3 brides. Je vais dans le motif suivant et je vais refaire 1, 2 et 3 brides. Alors attendez, je vais quand même vérifier pour ne pas me tromper ce que j'ai fait pour le motif, pour l'augmentation. Voilà. Une fois que vous arrivez à l'augmentation, donc là on va simplement faire 2 brides, 1, 2, une maille en l'air. Et de nouveau 2 brides. 1 et 2. Donc ça, c'est vraiment que pour le point central, pardon, voilà, le point central de votre augmentation. Hein, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ensuite, on repart dans le motif d'après qui est ici et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Ainsi de suite jusqu'à l'autre côté du poncho. Donc vous placez vraiment 3 brides dans chaque motif. C'est pour faire une petite démarcation en fait. 1, 2, 3 et faire rappel de la bordure qu'on va placer à la fin. 3 brides pareil, pardon, dans le motif suivant. 3. 1. 2, 3, ainsi de suite jusqu'à la prochaine augmentation. Donc là, il n'y a vraiment rien de compliqué du tout, hein. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que vos brides soient quand même régulières. Je dis ça parce que ce type de fil, il est en fait en 4 brins et c'est vrai que si vous ne faites pas attention, ça se dédouble et ça se voit. Alors j'ai eu beaucoup moins de soucis avec ce fil qu'avec le fil du tuto précédent qui se dédoublait sans arrêt. Là, j'ai vraiment pas eu de problème du tout. C'est vraiment quelque chose de super à travailler, hein, ces cakes là de chez Hobby. Les couleurs sont magnifiques et le fil ne se dédouble pas. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable. Ensuite, donc, une fois que vous êtes arrivé, toujours pareil, au motif central de votre augmentation, on va refaire comme on a fait de l'autre côté, donc 2 brides, une maille en l'air et 2 brides de nouveau dans ce même espace. Voici. Et on reprend 1, 2 et 3 brides dans chaque motif. Donc je vais vous laisser travailler la longueur qui vous reste et on se retrouve au début du rang suivant. Arrivé donc à la fin de ce rang, on va unir en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du coup de votre petite chaînette de départ qui comptait comme la première bride. Voilà.
Ensuite, vous allez aller dans la maille suivante et faire une maille coulée. Donc là, on souhaite se placer sur la maille centrale, sur la bride centrale. On va travailler sur la bride centrale de chacun des groupes pour faire nos triples brides. Alors, on va commencer par 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Donc ça va correspondre à la hauteur de votre triple bride. Et ensuite, entre chacune de ces triples brides, on va ajouter 2 mailles en l'air. Donc vous commencez là, ce rang-là, avec 6 mailles en l'air. Ensuite, la triple bride, vous allez faire 3 jetés sur votre crochet. 1, 2 et 3. Et on va venir travailler, comme je vous disais, dans la bride centrale du rang précédent. Donc on va venir piquer, vous laissez la première ici. On pique le crochet avec nos 3 jetés. Hop, on ramène le fil à l'avant. Un jeté, j'écoule les deux premiers brins. Un jeté, j'écoule les 2 seconds. Un jeté, encore 2 brins. Un jeté, encore 2 brins. Et voici notre double bride de créer. 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 jetés, et je vais dans le motif suivant. Donc là, moi, du coup, l'exemple n'est pas vraiment très bon parce que je suis tout de suite dans l'augmentation. Mais vous allez prendre de la même manière, en fait, on saute 2 mailles, hein, puisqu'on a fait 2 mailles en l'air, et dans la seconde bride de votre groupe de 3, vous allez replacer une triple bride. Les triples brides, il faut juste prendre le temps de le faire et de bien maintenir votre travail parce que sinon ça prend une forme un petit peu détendue. Donc il faut faire attention que vos brins soient assez serrés sur votre crochet et de bien tout maintenir en place quand vous travaillez. Sinon il y a du jeu qui va se créer, voyez déjà un petit peu ici c'est le cas, et ça ne fera pas très propre. Donc vous allez continuer comme ça, une triple bride espacée par 2 mailles en l'air. Je vais le refaire avec vous après, hein. C'est juste que là moi je suis arrivée déjà à l'angle, et vous expliquer du coup comment faire. Donc une triple bride, 2 mailles en l'air, vous sautez dans la bride centrale du motif suivant et vous refaites une triple bride, 2 mailles en l'air, une triple bride et ainsi de suite. Une fois que vous arrivez à l'angle comme moi, en fait on va placer simplement plusieurs triples brides. Donc vous passez votre crochet dans l'espace, voyez, donc là je maintiens quand même assez bien mon travail ici et ici pour pas que ça prenne trop de jeu. 2 mailles en l'air, 3 jetés et en fait donc à l'angle je vais refaire une triple bride à cet endroit là pour avoir également un angle. Voilà. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je fais mes 3 jetés et je vais dans la bride centrale du groupe d'après. Je passe mon crochet, hop, j'attrape le fil et j'écoule les brins 2 à 2. 1, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 jetés et hop, je continue mon travail dans chaque bride centrale. 1, 2, 3 jetés, hop, je continue mes triples brides. Voilà, voyez, si vous serrez suffisamment ça fait quelque chose d'assez propre. Si vous lâchez un peu trop, ça va, voilà, ça va bailler un petit peu. Donc faut pas serrer, mais il faut quand même maintenir une certaine tension, hein, dans le travail. 3 jetés, je vais dans la bride suivante qui m'intéresse et hop, 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 jetés et vous continuez donc ainsi jusqu'à vous retrouver à l'angle suivant. Donc pour moi, il me reste un groupe de brides. 1, 2. Et du coup, dans cet angle, on va refaire la même chose. Donc 1, 2, 3. On va placer une première triple bride. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3 jetés. Et une seconde au même endroit. Voilà.
Et voilà ce que vous obtenez. Donc vous allez continuer ainsi tout le long du cou de l'autre côté. Toujours pareil, vous faites une triple bride dans cette bride centrale, chaque motif, espacé par deux mailles en l'air et hop, une triple bride. Voici. Donc je vous retrouve à la fin du rang et il nous restera simplement à faire le dernier rang. Pour terminer le rang, donc là j'ai ma dernière triple bride, j'ai fait mes deux mailles en l'air et je vais venir unir dans la quatrième maille en l'air, donc 1, 2, 3, 4, par une maille coulée pour garder le même espace bien sûr entre mes triples brides. Voilà, pour bien garder le même espace et la même hauteur. Pour terminer notre poncho, donc nous allons faire une maille coulée dans l'espace pour passer finalement dans cet espace, trois mailles en l'air, et nous allons refaire des groupes de trois brides. Donc comme la première maille en l'air ici compte comme une bride, j'en ai plus qu'à faire deux, et vous allez travailler trois brides dans chacun des espaces créés par nos triples brides. Voilà. Voilà ce que ça va vous donner. Donc, je change d'espace et je place une et deux et trois brides, tout simplement. Il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a rien de plus. Je change d'espace et je fais une, deux et trois brides. En essayant toujours pareil de les faire bien régulières pour que vous ayez une finition propre. Voilà. Donc vous allez continuer ainsi et ainsi et ainsi. Donc vraiment trois brides dans chacun des espaces. Pour l'angle, j'en ai fait quatre avec une maille en l'air entre. Donc deux brides, une maille en l'air, deux brides. Pour créer un tout petit angle ou en tout cas que le travail ne soit pas tiré. Et vous continuez ainsi de suite pour pouvoir terminer votre poncho. À la fin du rang, vous allez unir comme on a fait à chaque fois par une maille coulée sur la première bride. Par une maille coulée sur la troisième maille en l'air de la première bride pour y faire votre nœud et ainsi rentrer les fils. Et votre joli poncho, voilà, sera terminé. Et voici. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai adoré travailler ce projet, je le trouve très original et vraiment encore une fois les couleurs... Je les trouve vraiment magnifiques, ça donne envie de soleil, de plage et de vacances. Voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce que vous en avez pensé ou à partager un petit peu votre ressenti sur ce projet. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit peu votre avis. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée et un très bon crochet. À la semaine prochaine !